eso, la respiro solo de cofana. Bien a mes en el to a pongo y a co adorer Zambé. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Le jour de notre enlèvement, nous n'aurons pas d'autre chose à faire au ciel. Ce ne signifie qu'adorer Dieu, louer Dieu, bien-aimé. Quand tu veux adorer Dieu, ne regarde pas le problème qui tourmente ta vie. Ne regarde pas les situations compliquées que tu as pu avoir pendant une semaine, pendant toute une année. Mais regarde ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Bien-aimé, tu n'as pas tout basé à la bique, tu n'as pas tout basé à la bique, tu n'as pas tout basé à la bique. Ce qui m'a dit, il va pas la koukoumisa, et que tout. Bien-aimé, au commun, on a un juif avec un mot,
Jésus. Moi, je te chante du sang de David.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de loin, tu sembles secourir sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint du siège au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié mon Père, il s'est confié et tu l'as délivré. Il criait à toi, ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confié. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, c'est pour la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur le mamel de ma mère. De le sein maternel, j'ai été sous ta garde. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux de Bazan environ. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il s'effondre dans mes entrailles. Ma force est sèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de sérénades rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os et ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre la guerre, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la guerre du lion, délivre-moi des corps du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui pour tous, prospérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour le pain du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute comme il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Le malheureux mangeront et se rassaisiront, mais ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations posterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne qui domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se posterneront aussi devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité les servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est bien au Kabakabon à Moutou Nayo. Attends, vous êtes en boulot.
omedita kayango na semaine bobiba et comme un mode de vie ayo ya semaine kakata passage moko kakata passage moko na semaine avant obima olobi passage wana na midi olobi passage wana na pokwa olobi passage wana tika zamba pour le bisou nous sommes arrivés devant des offrandes na zopenga papa George bona mamoyo ya madame. Il faut le faire pour prendre des enveloppes déjà pour l'église. Tu ne sais pas.
tu es en train de faire. La Bible dit que Dieu n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Et lorsque tu prends des enveloppes comme ça, et ça va être aux opos qui s'attardent, et il ne restera pas bouche bée face à ta situation. Il viendra à ton secours et il verra réellement quelque chose. Les enveloppes de chez mon église. J'espère que nous sommes arrivés encore à un bon moment que va nous demander maintenant d'être calme. Parce que Bible est là, que tabo Israël, va yoki que Zambaliyaloba, ma bonion soma, ma bande koti kanakimian. Je vais demander au protocole de fermer la porte. De fermer la porte. Maintenant, si tu as ton téléphone, tu peux l'éteindre. Ou bien tu as la mode avion. Partager dans nos cultes de thé, dans mode d'avion, car au côté au canapé, parce que je suis sûr et certain que les lots prédications et les lots qui sont tellement exceptionnels, bien aimés, où il y a une assurance, il y a une casse, qui sont distraites pour qu'ils soient bénites et bénites, il y a moi et Seigneur qui sont concentrés pour qu'ils soient bénites. Voici, je voudrais t'écouter maintenant. Parle avec moi. C'est au devant de toi que nous nous approchons ce matin, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, Holy Ghost, Holy Fire, nous sommes là ce matin encore. N'est-il pas dit là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. En ce lieu, nous sommes plus que deux, plus que trois, et nous ne sommes venus que pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Père. Je prie maintenant que le ciel reste grandement ouvert. Tel dans l'adoration, Seigneur, tu as répandu ton parfum que nous avons inhalé en ce lieu. Nous te prions, ô Dieu, de laisser grandement le ciel ouvert maintenant. Et que la manne descende encore ce matin dans chacune des vies. Nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était venu. Aucun homme ne peut s'approcher de toi, ô Dieu, et rester tel qu'il était venu. Je crois fermement ce matin que ta main va toucher un homme, que ta main va toucher une femme, qu'une maladie sera guérie ce matin. Qu'une situation morte sera ressuscitée ce matin. Il y a un homme qui a besoin d'un miracle. Il y a une femme qui a besoin d'un signe, d'un prodige. Oh Dieu, donne ouvrir le ciel. Nous avons grandement besoin de toi. Nous avons grandement besoin de ton soutien. Nous avons grandement besoin de ton affection ce matin. Nous avons grandement besoin de ton onction. Viens toucher ce matin. Viens délivrer ce matin. Viens guérir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rabasoto de Roko Yabashite. Oh bien-aimé, monte vers le trône de Dieu. Demeure dans sa sainte présence.
Mais si tu es vivant, c'est parce qu'un Dieu l'a voulu. C'est parce qu'un Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi ce Dieu libère maintenant sur toi sa parole. Il libère maintenant sur toi sa parole. Il connaît ton vrai problème. Il connaît ton vrai besoin. Je ne suis que le canal. Je ne suis que l'instrument par lequel il veut passer. Mais ce matin, il t'accordera ce que ton cœur désire. Ce matin, il t'ouvrira son bon trésor. Ce matin, il libérera sa force sur toi. Ce matin, son onction descendra. Ce matin, il te fera du bien. Ce matin, il pansera ta plaie. Ce matin, il guérira ta maladie. Ce matin, il bénira l'œuvre de tes mains. Ce matin, il bénira le fruit de tes entrailles. Ce matin, Dieu ne veut rester sans rien faire pour toi. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu obtiendras ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tu penses que c'est l'argent qui peut résoudre ton problème. Tu penses qu'un homme peut faire quelque chose pour toi. Non. Laisse-moi te dire que seul Dieu peut changer ta vie. Seul Dieu peut changer ta situation. Seul Dieu peut te faire du bien. Seul Dieu peut t'ouvrir son bon trésor. Seul Dieu peut se lever ce matin et mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, à changer ta situation, à ta lever de l'hypocrisie, de l'ironie, du semble pour te faire entrer dans la vérité. Il y a une vie que l'Éternel a prédestinée pour toi. Il y a une vie que Dieu avait déjà prédestinée pour toi. Entre dans ton héritage ce matin. Entre dans ta destinée.
te bénira. Je crois que ce matin, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.
Alors la parole, la lecture de ce matin, si nous pouvons nous tenir debout, nous avons deux passages ce matin. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 32 à 37. Si on peut couper les ventilateurs. Actes chapitre 4, 32 à 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire d'Égypte, vendit un champ qu'il avait possédé, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 1er. C'est juste une phrase, mais très profonde. C'est ça même le thème de notre culte d'aujourd'hui. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous avons annoncé que le culte de ce matin serait un culte de bienfaisance. Un culte de bienfaisance, c'est un culte où chaque membre, où chaque croyant fait un bien sans intérêt. Il apporte un bien, un don, un présent, une offrande, pour que l'on les remette aux nécessités, à ceux qui ont besoin. Bien que l'on fait aux autres sans entendre une récompense en retour. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous avons vu que cela était d'accoutumer aux milliers des enfants de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, nous sommes au début de l'Église. Jésus avait l'habitude de dire au commencement, il n'en était pas ainsi. Les choses commencent d'une manière et se détériorent, se dégradent petit à petit. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons avoir des modèles que la Bible. Nous ne pouvons suivre que ce que la Bible nous dit. Et dans Actes chapitre 4, 32 à 37, on nous parle du début de l'église primitive. Comment est-ce que l'église avait commencé? Bien-aimé, l'église où tu es, où nous sommes maintenant, n'a pas commencé avec nous. Ce n'est pas à nous de donner une forme à l'église. Nous sommes nés et nous avons trouvé l'église.
qu'un homme. L'église est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus mourut et fut crucifié. Et après sa résurrection, il apparut aux apôtres. Comme il avait promis, le Saint-Esprit était descendu sur eux. C'est le Saint-Esprit qui les a poussés d'une lumière fermée à la chambre haute où ils étaient. De sortir, de descendre à la rue et de proclamer l'évangile. Et après avoir proclamé l'évangile, 3000 hommes ont été gagnés en un jour sans compter les femmes. Ça fut la première et la plus grande moisson de l'église. Nous n'avons pas besoin des gens qui restent à l'église. Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent consommer l'église. L'église s'est allée à l'extérieur chercher les âmes et les amener dans la maison du Seigneur. L'église, ce n'est pas de prendre les âmes qui sont à l'église et de les amener hors du bâtiment église. Non. C'est lui qui comprend la notion de l'église. C'est que l'église commence par l'œuvre intrinsèque du Saint-Esprit en lui. Qui le pousse non pas à rester à l'église, à donner des prophéties, à avoir des visions, à prêcher du haut de la chair. Non, la prière des lèvres, la main à la rue, aller proclamer l'évangile et gagner 3000 personnes et les amener à l'église. Sans cela, l'église n'existe pas. Je l'ai pas trouvé. Mais je l'ai cherché à l'église.
Sonny, c'est dans le monde. Le mensonge, c'est dans le monde. Le matolo, c'est dans le monde. La sorcellerie, c'est dans le monde. Les calomnies, c'est dans le monde. On ne doit pas les trouver dans les églises. Mais les églises sont devenues des centres professionnels de ces mauvaises choses. Pourquoi? Parce que l'amour n'y est plus. L'église aujourd'hui a perdu son sens. Comme cela fit au temps des apôtres. C'était la solidarité fraternelle. Ils se sont assemblés. Pas pour devenir pire. Mais pour changer. Pour se transformer. On vient monter à l'église pas pour devenir menteur. On vient monter à l'église pour devenir sincère. Il y a des enfants qui venaient des familles bien élevées. Ils respectaient les gens. Et bien les frères. Mais ils sont arrivés à l'église. Ils sont devenus pires. Irrespectueux. Hautains. Des choses qu'il ne faisait pas chez lui, il les fait à l'église. Ce n'est pas parce que nous nous appelons frères et sœurs que nous sommes devenus des amis. J'ai déjà entendu des gens dire l'église, il y a Yaza la raté. Frère Songolo, papa Songolo. Ça, c'est la sémence du diable qui parle en toi. L'église c'est une famille. L'église c'est un lieu de solidarité, de respect. L'église a perdu la solidarité. La première chose dont le livre des Actes nous parle, il est tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et de l'esprit. On ne peut vivre ensemble sans unité. On ne peut pas vivre ensemble sans avoir le même cœur, sans avoir le même esprit. L'église a renversé le sablier. L'église n'est pas attachée à l'âme, mais l'église est attaché à l'esprit. Beaucoup de chrétiens travaillent beaucoup plus leur âme. Il veut changer d'habitude. Il veut changer de sentiment. Mais son esprit reste impur. Christ n'est pas allé mourir à la croix pour changer l'âme. Attends l'état de ton et de son esprit. À la fin, c'est dans quel état que tu ne lui donnes pas. L'âme est le centre des sentiments. Mais l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Ça c'est l'âme. Et quel l'esprit? Le sang et l'esprit sont. Pourquoi il fait ceci? Pourquoi ton salaire qui m'aurait été? Ça c'est ton âme, le désir de ton âme. Mais
Mais tout ce qui était lié à l'âme, c'était par exemple le partage des biens.
ministre l'exhortation. Vend son champ. Il a eu l'argent. Son âme est tellement pure. Son âme s'est accordée à son esprit. Il a tout apporté. Ananias et Saphira. Ils ont aussi vendu. Mais leur âme a été corrompue. Leur esprit était là. La corruption de ton âme peut séduire ton esprit. Si ton âme a toujours de la préférence par rapport à ton esprit, tu ne seras jamais un bon chrétien. Sauf gagner l'église. Âme n'a pas pour souffrir, l'esprit n'a pas la star. Mais sauf qui âme n'a pas le quel esprit n'a pas. Tu vas te comporter mal. Quand j'ai fait des réunions avec des serviteurs ici, ça. Je vais prendre quelle décision, je dis voilà ce qu'on va faire. Mais je laisse la parenthèse ouverte à qui a d'autres idées. Ça ne me gêne pas d'échanger, je dis bon, faisons ce que tu dis. Ça ne touche pas l'esprit. Ça ne touche pas la vision. C'est une organisation pour mon avancement. Je vais essayer. Mais des orgueillés sont plus imbus dans leur âme plutôt que dans leur esprit. Leur esprit est chétif. Il est petit. Toujours maï. Et par la biso. N'a la lingata. N'a la salata. Molimo lingata. Et la se. Amen. Oza la lingi. Et on limo. Amen. Dongaï et l'égui. Première chose, ils disent. Il n'était pas uni dans l'unité du cœur et de l'âme. Et non même pas de la chair. Pourquoi ils n'ont pas uni Bazali, mais nous autres, Bazali, pour moi. Mais Bible néglige nous autres. Et si tu nous autres, et maintenant là, les sikamogos, on y a la permanence des sikamogos, ammonia moté. Mon livre, comme on a le cœur. Pourquoi le cœur? Le centre. C'est la vie. Il y a des choses. Toutes choses ne seront pas utiles dans ta vie. Tout sera permis de faire. La distinction d'un enfant de Dieu et d'un païen n'est pas au niveau de l'âme. L'âme peut avoir de bonnes intentions. C'est pourquoi j'ai très souvent sur internet. Quand les gens posent leurs problèmes, ils me manifestent leur déception. Souvent j'écris, je dis, Jésus ne se confiait pas dans l'homme parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Ton ami d'aujourd'hui est ton ami par rapport à ton âme. Ne méprise pas non plus ton ennemi d'aujourd'hui. C'est peut-être lui qui sera ton meilleur ami. Alors arrête d'armer ton ami d'aujourd'hui. Tu l'armes peut-être pour ta destruction. Je vous parle avec sagesse. Parce que je vois des gens, ça m'étonne. Sentiment mon esprit est ma copine et mon copain et mon amour. Pouf, il commence à se déplacer. Papa l'a dit sur vous, à sa maman, c'est ça. Le bibou douane, à sa frère, n'a pas été. C'est ça l'homme animé par l'âme. Il se livre. Que l'âme change de position. Celui qui était son ami. Il arme maintenant contre lui. Aïe, dit mon loup, famille, non, mon bata mal. Conséquence, c'est estomac, gastrique, hémokine, mobilité. Tu marches comme un homme animal avec ton âme. Tu n'as jamais laissé ton esprit prendre l'ascendant.
sont vivants. Je ne connais ni le nom de sa mère, ni le nom de son père, ni de quelle tribu il est, ni de quel village. Ça t'intéresse pas. Je sais que c'est un bien-aimé en Christ. Je vis avec lui selon l'esprit. Tant qu'il est chrétien, il est la vérité. Ça me suffit. Aza Mungu, Mungunza, Aza Aboué, ça n'importe pas. Je suis uni avec lui dans le cœur et dans l'esprit. D'abord, on va la mettre à pression les lots. Apesio na sentiment ya jouwana ya amrai. Lobi go deba ni. Die bise a songi se na madu de lo na ngao. Ako mo rappeleu. Na bise lu tumbo na na sale na de na boy. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas travaillé dans son esprit. Travaille ton esprit. Sale la pesa boli mona. L'amour est un fruit de l'esprit. L'amour tire ses origines dans l'esprit de l'homme. Celui qui a un mauvais esprit ne peut pas avoir de l'amour. C'est une préférence. Travaillez l'esprit. Soyons unis à l'église. Soyons unis avec nos cœurs et nos esprits. L'âme peut te pousser que le préféré de papa Hervé. Parce qu'il est beau, il est doux, il parle bien, facilement. Amen. Mais même si toutes ces histoires n'existent plus, ça sera encore de l'amour. Ça sera encore de l'amour, soit de terre, soit hors du périmètre. Alors qu'il est là, tu vois son téléphone ouvert. À sa journaliste noire. Amen. C'est le plus important. L'esprit est stable. Attachez-vous aux hommes d'esprit. Ne vous attachez pas aux hommes sentimentales. Aux gens qui vivent selon leurs âmes. Les caprices de leurs âmes. Aujourd'hui, nous avons ceci. Je connais qui entre des retraites même par les envies. J'ai dit aux serviteurs, quand vous voulez faire des programmes, des retraites, qui sont pour vous, mais qui sont disponibles. Non. Nous ne pouvons pas conduire l'œuvre selon la disponibilité des hommes. Je suis souffrant, j'ai dormi ici parce que tous les samedis, les serviteurs doivent dormir. C'est l'esprit qui doit conduire les choses. Voilà pourquoi j'ai annoncé aux chants prières que j'ai dissous les groupes d'adoration. Non, j'ai dissous, ni ça n'est abomi à nous. Amen. J'ai dissous ça. Trop de sentiments. Papa, je ne sens pas l'esprit de Dieu dans l'exercice. Enviez parce que j'ai eu le temps. Il n'y a pas répétition parce que je n'ai pas le temps. Vous savez les engagements que nous faisons pour moi. Vous n'êtes pas disponible. Vous allez prier avec nous. J'annonce le recrutement de nouveaux chantres, des gens baptisés. Il y aura recrutement des chantres seulement après les services de baptême du mois de mars. Si tout le dimanche, nous allons louer des gens pour jouer, je mettrai un panier, nous mettrons l'argent et nous payerons. Nous ne quittons pas nos maisons pour venir faire des sentiments. Sinon, rien ne changera, rien ne changera. Toutes les raisons sont bonnes pour aller en enfer. Toutes les raisons, je vous dis, sont bonnes pour aller en enfer. Aucune raison que
Et là, il changera la vie pour tout le monde. Et là, quand on va tout le monde, on va le faire. Mais bon, on va le faire. Travaillons par l'esprit. Tout ça, la langue à mon libre. Et avec le cœur. Ben à mon thème. L'homme te poussera à savoir Alia Kini. Amen. Amela Kini. Amen. Asala Kini. Oyo Kite. L'homme spécialiste à son mission. C'est comme dernièrement, je faisais rire à papa Serge. Une histoire s'est passée au travail. Le matin, on vient me chercher. On me donne les rapports, l'audio de la réunion. La dame, mesdames, les écoutait. J'entendais des choses invraisemblables. J'ai crié devant. J'ai tout bougé. Regarde, la secrétaire, je lui dis hein, c'était comme ça. Il me dit, je vois le chauffeur arrêter le véhicule. Nakatina, ça m'a gardé en 5h50. Je ne sais pas. Je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, chef, ah, t'es, pardon. Ils sont dans tout ton message, ils sont dans tout son, ils ne sont pas si. On a déjà un même livre, ils sont dans tout son. Il a été sincère dans son livre. Allez, on a contacté la cagnie de ton chef. Ils sont dans le yoga, 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 ils sont. C'est ça les hommes. Combien de gens suivent les prédications? Nous avons publié 40 kits, 40 vidéos sur YouTube. Combien sont les gens entrés avec l'air méga pour suivre la séance? Mais j'ai touché les téléphones de quelques personnes ici avec des images pornographiques. Maintenant, où tu m'en dis? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que nous faisons ici? L'église, c'est le cœur et l'esprit. Et que tu as été monté, ma le sentiment de l'âme, parce que j'ai des amis. Je voyais aujourd'hui. Ils étaient assemblés. Ils étaient dans le cœur, c'était la vie. Et dans l'esprit, l'éternité. L'éternité. Ces choses ne se font jamais quand il n'y a pas un amour qui tire ses origines dans l'esprit. Ils ont dit que nous avons 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 dit que nous avons. Tu penses que ce sont des blagues? Ou c'est facile? Tu n'as jamais compris pourquoi les gens pensent donc ils ont. On a mon toi âme, on a le corps de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Il y a des gens qui amènent des fois des enveloppes comme ça. Tu as envie de les lui remettre. Parce que tu sais qu'il a des problèmes. Il y a des prières que j'ai fait ici avec l'âme. J'ai manqué des mots. J'ai dit cette personne a besoin de cette âme. Mais c'est un homme qui comprend les choses de l'esprit. Il est malgré ma souffrance, Dieu là-haut. Amen. Ça, c'est pas l'âme. L'âme te montrera toutes les ouvertures de la vie que tu pourras faire. Mais l'esprit te connectera l'éternité. Les gens qui vendent des choses qui donnent l'argent à l'église, c'est pas seulement dans les anciens temps, ça s'est fait aujourd'hui. Ça s'est fait aujourd'hui. Mais toi, tu ne peux pas arriver à ce lieu. Parce que tu as déjà oublié ton esprit. Tu ne vis que par tes sentiments. Et dans l'amour qui vient à l'église. L'homme de l'amour qui vient à l'église. Alors qu'à l'église, tel que je prie, j'ai dormi avec les gens ici. Je suis venu avec la fièvre à 5h30. J'ai demandé qu'on arrête les enfants. Mais toi, tu penses que pour travailler pour Dieu, il faut être en bonne santé. Il faut être en forme. Tu n'as jamais compris les choses de l'esprit.
celui qui n'a jamais compris les choses de l'esprit n'a jamais connu l'amour et ne connaîtra jamais l'amour fraternel. C'est ce que les deux prédicateurs de la semaine ont enseigné ici. Je ne voulais pas revenir dans ça. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas aimer. Dieu ne le connaît pas par l'âme mais par l'esprit. Parce qu'il est esprit. Bolivo. Tu ne communiques jamais avec Dieu parce que ton esprit est petit. C'est compliqué pour toi d'être dans une atmosphère. Au moins, on t'a fou, Camille. Au moins, on t'a terminé avec ta maman. Il y a pas d'ailleurs, Emmanuel, tu souffres. C'était la même chose. On ne va pas être exagéré. C'est parce que tu n'as pas encore connecté ton esprit. Tu n'as pas encore donné ton esprit à Dieu. Tu es vrai. Tu es descendant en enfant. Tu es descendant. Dieu peut le toucher. Il est guéri ici. Je disais alors, je ne sais pas si je saurais prêcher. Ça c'est Dieu. Il y a des choses que tu ne peux expérimenter avec Dieu. Que si tu te connectes à lui par l'esprit. Et tant que tu te connecteras à lui par la chair, rien n'arrivera. Deuxième chose, on dit, il partageait tout ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, on n'apporte rien pour les autres. Mais on veut encore avoir plus du prêt qu'on a. C'est ça le cœur qui n'est pas connecté à l'esprit. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils donnaient à ce qui manquait. Aujourd'hui à l'église, je vous dis des choses vraies. Tu veux partir? Attends. Tiens, paye le transport. À mon égard, à Kesuta. À Kazaki, le transport d'ailleurs. À Kazaki, à Billet, il n'y a pas de problème. C'est ce qui pousse les enfants de Dieu à vivre même dans l'hypocrisie. C'est ce qui devient difficile pour vous rendre du sceptique de faire des actes de foi en plein kit. Moi j'ai prié dans des églises où ma mère m'a mené, je vois quelqu'un qui dit il y a $100. Alors c'est là le col à pasteur. Bon pasteur a l'obé vérité. Ma mère m'a mené dans des églises où son appel ça va la maman. Et
homme d'esprit ne peut pas faire ça. C'est ce qu'il dit, les passages qui récupèrent. Aujourd'hui même, le ministère, l'homme chrétien fait tout avoir à l'Israël. Nous travaillons avec des chrétiens. Ça a beaucoup de dossiers à païen. Mon Dieu s'est retrouvé moins d'amour. Chrétien, t'as tout été au Bible. Et Dieu m'a donné sur la casa quand même. J'ai cherché le monde. Je le trouve à l'église. Un homme a déjà appelé pour me dire, mais toi tu es pasteur, tu es toujours avec ces gens qui disent là. Tu voyages avec qui tu fais. Non, mais toi tu es chrétien. Quand est-ce que tu m'as déjà mis dans ta mission? Parce que c'est toi qui es chef. C'est toi qui fais les missions. Toi chrétien, tu ne me mets jamais. Mais les païens me mettent et ça va monter ma face. Donc on a chrétien, combien ils ont fait dans le monde du boulot tour? On se voit à c'est ça l'amour. Amen. Vous êtes au travail, les païens ont encore gagné $100. Chrétien. Alors, on va dire, ok, je vais avoir 2000 francs là-dedans, tout le monde, parce qu'on a payé sur le pied. 10 jours après, on va dire, maintenant, il y a 2000 maman. Et ça va bon mot. Donc, on a dit, minuit, on a dit, on a 2000 francs. Païen, vous devez aller. Papa Serge, là, moi je suis concerné de parler de la langue. Je profite à dire que ça va être bon. On a besoin de la vie. C'est la mission de 30 dollars. Ah, parce que la vie comme ça, la vie. Oui, il va rentrer comme ça, la vie. Et puis ça, non. Attention. Et si vous, qui n'est pas chrétien, qui explication. Ah, parce que il me pèse à l'église. Ma mère, ça l'a pété. Il donne pas. Il n'est pas partagé. Il fait tout avoir. Lui, présente mon corps. On s'est fait ça comme ça. Mais il dit que Batoyo, parce qu'il n'a dit pas mon corps. Il n'a pas pour moi pour me soucier ça. On a donc un gamin pour la personne qui est là-bas et qui n'a pas rien fait. La suite de Banani. Mais on a eu un peu de lien pour le Cabolina. Et il vendait. Ils ont donné. Et on donnait. C'est ça l'église. Il y a mon église. Il y a la première passion pour la table. Tu peux donner $100. Mouta, on va tous, on va dire qu'on a dit, on va dire qu'on a dit, parce que je vais donner les jeunes poulets. Pourquoi? Parce que quand on est à moi, il suffit d'attendre que moi je vais donner $100. Mais tenez la joie à qui? Papa, on est dans la classe de l'année, Nicolas, moi, il était bon à l'île, après ça, qui $100. Ça, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. Nous venons ici pour l'esprit. Pour les choses de l'esprit. Pour affermir nos esprits. C'est là que nous pousserons à partager. Il y a plein de nourriture. Je me sacrifie parce que mon esprit ne peut pas être méditant. Mais si ne mange pas, ils vont créer des problèmes. Merci, vous pouvez manger. Combien de chrétiens peuvent le faire? On est le seul qui est dans le monde. Mais tu ne pouvais pas refuser pour voir que c'est des peuples. Que Dieu bénisse tous ces gens qui apportent. Conséquence de tout ceci, c'est quoi? La Bible dit manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu avec nous. Là où l'amour est manifesté, la puissance de Dieu se manifeste. La force de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu se vit. Donc, on va recevoir la grâce de Dieu. Mais si nous vivons ici dans l'amour, dans la fraction du pain, dans le partage, on va donc avoir un témoignage. Amen. Ne pas permettre à l'autre de faire des actions de grâce volontaire, c'est l'empêcher de vivre des grandes choses avec Dieu. C'est pas ça qui nous montre que la puissance et la force de Dieu se manifestent par l'action. Mais là où l'amour est manifesté. Parce que Dieu est amour. Les apôtres n'avaient pas reçu autre chose. À cause de ma cambo, on est au sein là-haut. Oh, ma cambo.
L'évangile s'est prêché avec force, puissance et la grâce de Dieu se manifeste. Ça se passe comme ça. J'étais avec papa Serge au travail jusqu'à vendredi, on n'avait rien. Quand je suis rentré d'une réunion, je monte, je trouve un monsieur qui ne prie pas avec nous. Que Dieu bénisse tous ces dons qui arrivent. Il ne prie pas avec nous. Je ne partage même pas des choses des juifs avec lui. Il me voit dans la sorcière, il me rappelle, pasteur, j'arrête la sorcière et me dit, mais pourquoi tu me fuis? Je lui dis non, je ne te fuis pas, ce chien. Il a dit viens. On parle dans son bureau. Je pensais qu'il avait un souci. Il prend son sac, il me dit non, ici il y a des gens, viens. Nous allons quelque part, il me dit pasteur, les jours où tu as publié sur Facebook, que ce dimanche, vous irez donner des dons aux orphelins. J'étais quelque part où je faisais un service. C'est un serviteur de Dieu. Un couple avait des problèmes et moi je les assistais. Et ils ont pris leur enveloppe d'action de grâce, ils m'ont dit. Quand j'ai prié pour l'enveloppe d'action de grâce, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu ta publication se faire sur moi. J'ai compris par mon esprit. Et là, je ne comprends pas quoi, par son esprit. Sa âme ne le comprendra jamais. Il a compris par son esprit que cet argent, sans même qu'il connaisse le montant, il dit directement, ça c'est pas pour moi. C'est pour les orphelins. Et il a fait 4 jours après le chercher. Je n'avais encore reçu rien si ce n'est 50 de la France. Et il prend l'enveloppe. J'ai pris pour l'argent. Je voulais partir. Il me dit, attends. Il sort une deuxième enveloppe. Il dit, ça c'est pour ma famille. Je descends. L'enveloppe d'action de grâce, 100 000 francs congolais. Et son action de grâce, 50 000 francs congolais. Et quoi? L'esprit fait de l'église une seule. Mais l'âme fait de l'église plusieurs églises. Dans l'unité d'esprit, nous combinons tous. Je vais te donner un exemple. Mon épouse, mon épouse, si tu es un homme d'esprit, tu verras ces 10 prédications prêchées au monde. Au moins, la maman Dieu sera convergé de l'autre monde. Si pas peut-être ce dimanche spécial, fais tous les autres dimanches. Tu verras toutes les prédications converger tous dans la seule chose. Et pour les prédicateurs, des fois, ça nous aide pour savoir que c'est vrai, je l'avais laissé de Dieu. C'est ça l'église de l'esprit. Je descends avec les mêmes enveloppes, nous, puis je présente à papa. Je lui dis non. Enfermé, ma sœur, moi. C'est ça qui a fait foi dans mon corps. Nous sortons dans les véhicules, quelqu'un va faire des bourses. Je n'ai pas eu le temps ici de soutien, il me voit ça. Il a vendu 100 dollars. Les gens prennent de l'argent pour savoir l'argent. Ce sont des gens que tu ne connaîtras jamais. Ils ne connaîtront jamais les gens qui vont consommer cet argent. Une maman prend. La moitié de sa garde-robe, elle est là. Si pas tous, il dit, mais il n'y a pas de vie à Sika, pasteur. Elle cause avec moi, nous prions. Elle dit, Dieu m'a dit d'enlever tout. Ce n'est pas qu'elle a déjà acheté de nouveau. Il y a moins de temps, il va s'acquitter dans son. Il prend ses habits de ses enfants. Il dit, le Seigneur m'a mis à cœur d'enlever tout ça de mon nom, son frère. Une telle personne. Manque-t-elle des membres de sa famille qui manquent des habits? Il ne pouvait pas vendre ça pour avoir aussi l'argent. Pour faire ça, pour avoir l'amour lié à l'esprit de Dieu. À l'esprit de Dieu. Par l'âme. La paix, ça y est, ça c'est
en Israël tout ce qui a volé à toute donation. Oh, d'après sa pauvre maman en Haï, et bon, moi qui ai gâché mon fils, ça c'est là. L'esprit ne dira jamais ça. Parce que l'esprit est supérieur. L'exercice du pouvoir de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu au monde. Tu n'auras jamais du pouvoir sur un démon que tu détestes. Dieu, aime les sorciers, mais il est la sorcellerie éternelle. Je n'ai pas besoin de l'haïr, mais j'aime l'esprit qui l'haïr. Voilà pourquoi Jésus regardait les hommes, il s'adresse directement à l'esprit qui les haïr. Exercez l'amour de Dieu bien-aimé. Quand le Père du livre des Hébreux dit persévérez dans l'amour, c'est-à-dire, j'ai dit au frère Rodrigue, l'amour peut disparaître. L'amour peut diminuer. Je vous ai toujours parlé des deux vecteurs. Dans la vie, le vecteur de l'amour est parallèle au vecteur de la paix. Ils marchent tous ensemble. Ils sont comme des jumeaux. C'est comme l'âme et l'esprit. Si tu ne fais pas attention, l'un domine sur l'autre. C'est pourquoi les Français disent qui aime bien, châtie bien. Il y a un moment où ça a ma tête dans mon toit à Dieu. Amen. Il n'y a pas de niveau à Dieu. Amen. Si on a un niveau à ça vous sauve. Comment est-ce que vous avez dit? Donc, le roi est pélo à son accent. Quand il y a un pélo, il y a un pélo à son accent. Quand il y a un excellez dans les œuvres de l'amour. Persévérez dans l'amour fraternel. Je vais te le dire pour conclure dans plusieurs versions. Parole de Dieu vivant dit, continuez à vous aimer. Continuez à vous manifester de l'amour. La version Seigneur dit que votre amour demeure vivant. C'est-à-dire votre amour peut mourir. Qu'est-ce qui tue l'amour? L'inactivité de l'amour. L'amour vit par ses œuvres. Quand il n'y a plus ses œuvres, il meurt. Si dans ton amour, tu n'as pas cette habitude, ton amour est en train de mourir dans petit frère. Parce que dit-on que l'amour n'existe pas, il n'existe que le Père qui sera. Celui qui a acheté le paquet de jus ne manque pas des enfants, il peut faire la provision même d'une semaine, même de 3 jours. Mais il les envoie à des inconnus. C'est ça l'église. L'église doit exceller dans les bonnes œuvres. Parmi nous, il y a des besoins. Parmi nous, il y a des nécessités. Mais j'ai voulu qu'on commence d'abord avec les orphelins. Il arrive à la pousser par l'esprit. Et où nous allons faire des donations que l'équipe de social va garder pour couvrir les besoins de certaines personnes. Parce que on ne peut pas rester.
fraternel de mère. Que l'affection de mère et la preuve de qui on s'était conjugué, persévérer, demeurer, continuer. Telle la foi vient de cet endroit. Telle l'amour aussi disparaît de ce qu'on n'en fait pas. L'amour ne se dit pas, ça se vit. Où ça s'exprime. Des choses à faire. Vivre dans l'amour avec l'amour. Exprime ton amour en le partageant. Une église mère, quand une église mère, quand elle perd la vie et l'expression d'amour. Quand une église perd la vie de l'amour, quand une église perd l'expression de l'amour, cette église meurt parce qu'elle a perdu son objectif. Et qu'est-ce qui prend la place? Des groupuscules, les pasteurs à son cartel, les responsables là à ses hommes, les chefs de protocole à ses gens, les chargés de ceci à ces gens, et les autres sont marginalisés. Là, l'église mère. L'église doit vivre dans l'amour. Le pasteur ne doit pas avoir de préférence. Je le dis souvent aux gens. Ne pense pas que même ou ton pasteur, tu te trompes. Amen. Le pasteur a sa montré à l'union. Si quelqu'un te prend à partir, te dit, pasteur, vous avez suivi votre salmo, viens me voir. Amen. Viens me voir en privé. Donc ce sont les gens qui ont voté. Les gens qui ont été Yesu ne. Nous sommes sur la cima Yesu. Les pasteurs ne doivent pas diviser les gens. Les pasteurs ne doivent pas prêcher les choses pour faire plaisir à une certaine catégorie et offenser les autres. Non. Toi aussi tu ne dois pas le faire. L'amour ne sépare pas. Quand l'église perd la manifestation de l'amour, l'église commence même à séparer les mariages, à séparer les familles, à séparer les amis, par des prophéties, des pseudo-prophéties, par des visions occultes. Là, tu verras que l'amour n'existe plus. Tout se fait par sentiment. Cosa la pena la voluta di voi? È il grido di fraternità.
vous n'êtes pas encore converti. Voyez dans une église, mais il y a beaucoup de missions église. Tu trouves ça normal? Voyez dans une église, mais une église était après église, il y a un endroit qu'on a dit, mais demain, et du frère, on sait combien t'es que des frères, pas des amis. Moi, je n'ai pas honte de l'église. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, j'ai des collègues de service. J'ai des frères et sœurs. Mais on a dit à l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Mais étant l'une à la ligne. Lève au bout de la ligne, Isaac, ton sur la maman. Amen. Alors, mais je vais aller à l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Donc, on souffre dans la Bible. Amen. Si on voit une église, on va nous dire, 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 je vous dis des choses au vrai. Il y a une sœur qui était venue confesser. Elle me dit, ses frères m'appellent, à 10h il m'appelle. Non. Mais avant, il n'y avait pas Yaya la dissolite à Moudine. Votre dernier monde aura. Oyat église. Il n'y a qu'à l'audit dans l'église. L'audit Oyat, à l'émission de 23h. Ça, c'est la fraternité. C'est pas la fraternité. Mais nous assemblons pas pour devenir pire. Assemblons-nous pour exercer l'amour. Sachez que le monde a la plastique. A vos enfants, ma foufoua, c'est mouloir.
chargé, à séparer, à moi qui à l'osso, à séparer, à moi qui à ma manière sur la loque à séparer, à qui la vie d'emballage à mener, à tirer la poubelle, à finir et quitter la c'est tout. Nous devons débarrasser à Oswa, à Katia. Je me souviens sur sa main, quand je suis sur l'atelier, mais la moi j'y vais sur la vie d'emballage. Mais il me demande, pourquoi tu te donnes cette peine? Il dit non, pasteur. Mais quand on a vu sur la Kinshasa, ici, il y a des sans-abri qui mangent dans des poubelles, qui viennent ramasser la nourriture. Je suis sur Internet. Si je mens, les gens qui me suivent, qui sont en erreur, vont m'écrire. La poto, il y a l'autre à ma poto. Et ça, la poto, il y a un peu de l'eau dans ma poubelle. Les païens, en soumouna mouton, il y a l'eau dans ma poubelle. Il y a de l'eau à sanité. Mais regarde comment toi qui t'es dit enfant de Dieu, comment tu te comportes à l'église. La poto, à moi qui la poubelle, il y a Yazou. A qui a vanni, à lié, il y a un sens à la poto. Voilà la poto. Il y a 20 ans là déjà fui pour l'aéroport en Chine. Parce qu'un temps on habitait Massina, nous avions un ami, je peux dire pas. Nous avions un ami, un enfant dans la avenue, on a sept pour la soirée qui est là. Chaque fois que nous partions jouer chez eux, à ça, il y a toujours un bilan pour lire un moment extraordinaire. Mais là, comment ça? Tu as un bilan pour la Bible, un biscuit, un moment chocolat, que Dieu te bénisse. La Bible, un biscuit chocolat, un moment, ma cacada, un livre, un moment, dans la cacada, dans ce cas. Il y a un bilan pour la Bible, ça sentait tellement bon. Il y a un bilan pour la Bible, comme une classe nous on a 5e primaire. On lui pose la question avec un ami, Dieu merci de venir aussi parce que c'est pour la canne. Donc on menace de venir. Il y a une chose à moi, ma jambe, ma ligne. Elle va se calme. Dans la salle de nos corps, l'homme est au qui ma classe. En tant que ma classe, donc il a beau se faire. Amen, ma bichot, donc il y a un aéroport en Chine. Donc il y a ma poule, donc on dit Zamba, Zamba, El Zaïwa, pouf, on se retrouve dans le tarmac à l'aéroport en Chine. Voilà, Tolani, oh, ni, on pose la zone à la mode. El Zaïwa, ma passager va quitter, posez là. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Tout le monde a battu sous ma bombe, donc on dit, mais il y a une ville à l'université, il y a une ville. Papa, tout ça, c'est la ligne, posez là. L'air à la vie, si il y a une ville, il y a une chaîne, la ligne. Tu vas continuer à être dans la tombe. Mais ça va te dire que tu vas en place de l'autre et de l'autre. Donc, on prend la ma poubelle. La télévision, le moment de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Soit dit le mot de l'autre. Pendant que je faisais, moi, ma réclame, les policiers à RVE, Bataninga, Bataninga, ils sont trois. On nous amène dans un bureau. Ni niveau ça va, nana édité, dans des classes, nana au yoga. Il faut Oma.
on va critiquer et raison pour moi pour nous on peut céder sans qu'à Seigneur on peut céder pour le malheur de nous un jour j'ai des mots marini à gagner la tête tu es pour intervenir pour nous j'ai commencé à lui prêcher j'ai dit mais ton âge on peut nous donner conseil de soi il va pour la nuit a dit ah viens il y a aussi pour une des élèves quel est l'ondine à la promette on va se mettre dans la culture sur la paix ça y est. C'est ça l'église du Congo, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous ne voyons que des démons, des sorciers. Au lieu d'exceller à l'amour, l'amour est plus fort que la sorcellerie. L'amour est plus fort que la pauvreté. L'amour, exerçons-le. C'est ça le champ de la bénédiction. Je vais vous dire pour vous dire une vérité. Celui qui fait un tel geste, a toujours qu'il existe, Dieu le bénira. Amen. Est-ce que vous voyez bien? Parce que Dieu ne se répand jamais de sa parole. C'est pourquoi ces gens-là excellent et deviennent riches. Autant dans ma combo, dans ma moindre somme, ils vont la science au kit. Mais construisent des meilleurs temples plus que le nôtre. Ils ont des bonnes vies sur la terre à cause de ça. Nous aussi. Au-dessus de la vérité que nous avons de la parole, nous exercerons l'amour pour que nous soyons bénis. Bénis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je bénis ton peuple. Bénis toute personne, toute famille, représentée au travers de ces dons. Apporte-moi l'une onction, je vais faire bien toi les amis. Oh, il y a sorti la donne à un caïm à mon âme de sauter à l'église à mort et demain. On va nous mettre un panier devant. Si tu en as un natif, sois bon, notre amour, tiens un panier. Va là, on a besoin de la pas dans les pas. Il y a vos télés dans l'hôpital, il y a vos fous dans mon monde. Nous n'amenons pas seulement les biens natifs. Nous allons sortir la donne, nous allons mettre dans les enveloppes et nous allons les remettre. Et les autres aident-nous, oui, mettez les paniers devant. Lèvons-nous, apportons nos dons. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Zamamo Nabino, Amadama Nabino, ma famille Nabino, Misana Nabino, Zamako Tabitumba Nabino Nios, Orphelin Nios, Veuve Nios. Thank you.
c'était profond. Yes. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as compris comme moi. Alléluia. Bien-aimé, dès la musique de l'oreille, ça a été vraiment profond. J'ai des larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas le faire sortir. Amen. Et dès que papa le dit, quitte à l'épouser, il y a une église. Alléluia. Ils allaient dans ma cambo où est née l'église primitive et comment qui n'a pas pu épeler. Ils allaient que puisque Babylon se remettait pour elle à ma bien à papa. Na acte libre, quand il s'est mis sur le lit, bah, on va dire qu'il n'a pas passé, parce qu'il n'a pas chant, parce qu'il n'a mis tout cas, parce qu'il n'a mis le côté, parce qu'il n'a mis côté, car il y a un mot pour être un mot, voilà, dans quatre églises. Non pour que servir Bango, mais pour servir Bado Bazan, pour qu'il est libre ça. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que l'église est Bazanin qui est l'évangile et première église. Si quand ça va pas, voilà, yo. Nous avons contribué à l'échec de nous pour nous aller loin. Bien aimé, dans ma terre, pour essayer de nous aller loin. Enfin, il me manque. Thème de la vie, 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 la vie. Bien aimé, il est si difficile de conclure ce qu'est une traduction ou le cas de nous aller loin. Alléluia. Ce que vous pensez qu'il y a un développement et que vous allez difficile pour conclure le thème. Thème de la mission de partager qui, dans la semaine, nous a dit sur l'amour de Dieu. Et c'était le mardi qu'on a commencé l'introduction. Alléluia. Mais il y a quitté. C'est ça le problème. Et le mercredi, on a commencé à développer ça. Et le loup, papa, il y a qui le système bien propre. Amen. Alléluia. Qui n'a pas compris. Mais qui a compris. Et puis, c'est mon problème là. Pour toi, ça dit que mon fou des alliés, il y a un fou là. Pour que vous sentiez pas cité, qui est bien châtié. Amen. Aïe, qui a petit film ou main, n'a pas l'air. Alléluia. Qui a zambé, à part pour la mission, on acclame encore le Seigneur Jésus-Christ, la matière et le lot. Nous avons dit que c'est ce que vous allez vous prendre, la douce au prophète, la douce au panier Moko. Bien aimé, c'est que nous avons eu la Galate 6-6, la matière et le lot. Et c'est que nous avons semé quelque chose, comme Bible, nous avons recommandé Bissot. Toujours il y a au fond de l'histoire galactique, le cycle. Panier Moko. La cycle, c'est que vous allez au télémi, on va vous mettre le panier Moko dans le protocole, vous allez au fond de l'histoire. La galactique 6. La galactique au fond de l'histoire. Les offrandes ordinaires, c'est les offrandes de trouver dans la ville communément, il y a monté. Et après cela, les cognons qui vont participer à un moment de bénédiction, c'est un moment d'offrande de thé. On va couper ça sous panier, mon côté sort. Il y en a aussi offrande pour chaque offrande, parce que ce sont des moments de bénédiction. Vous avez mis ça sous panier, mon sous-sous, il y a offrande de cette église. Deuxième service, il y a au fond de l'église, puisque vous voyez qu'il y a un peu d'amour en retard, puisque pour ceux qui n'ont pas été dans le monde, nous sommes bénis, nous ne voulons pas que tu rentres sans cette bénédiction. C'est comme ça que vous pouvez aussi chance, c'est le souci pour la couleur pour que ce n'est pas dans le monde. Au fond de l'église, je crois que nous sommes tous les sacrés, nous savons que vous êtes disposés. Amen. La seconde paix, la bise au matin, il faut être capable de communiquer la bise la semaine. Communiquer la bise au bossé, les amis, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous pour l'événement de Christ. Communiquer la bise au ami Valé, pour nous c'est qu'il y a des six causes à l'île, pour que ça m'a l'année de bossé, pour y en a quatre églises. Oui, pour ça, on a biso, et ça même en occasion, il y a plus de bienveillance, soyo, pour recruter le Messie aux amis pour qu'il y ait pas. Quand nous avons sauvé pour visiter biso, quand nous avons sauvé pour aller dans la carte d'église, ce qui est invité, pour la dit, va communiquer dans biso, lobby lundi, à partir de 6h, puis 18h, juste dans la carte. Journée d'abisso, il y a lundi sacrifice.
journal et des sacrifices qui sont subdivisés ou divisés dans trois parties, donc de 6h à 7h juste, et puis de 12h à 13h juste, et de 17h à 18h juste. Le thème de la que partager, c'est-à-dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et de 6h à 7h, on va partager si tu crois. De 12h à 13h, tu verras. Et puis de 17h à 18h, la gloire de Dieu. Nous sommes en direct, donc sur Facebook, on va vous en musique. Pour que ensemble avec nous autres. Donc par Facebook, vous pouvez être connecté. On a pour la journée sacrifice, surtout lundi sacrifice de Bissau. Donc on a mardi, tous allés dans la réunion avec ma femme baptisée. Ma maman Nyonso, tout le monde a mardi à partir de 16h, 19h, 18h. J'aime sais aussi, ma maman va ça pour Ben Bissayo, na Maya Nanyuana, tu as plaidé une femme, lobby. Et pour ça, quand tu es pour le canine, ma maman va vous dire ça, quand tu es malade, tu es pour ça, la gaieté est basse. Va se tenir par couple dans Bango, plutôt par famille dans Bango. Donc, le mercredi, le vendredi, dès notre colombane introduction, c'est puisque nous ne venons pas vraiment dans la semaine, c'est comme ça que nous avons beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés une église dont nous sommes appelés à Chypre. Amen. C'est le groupe, il y a intercession des familles. Mais quand nous venons ici, c'est comme si Bamsous Oiseau comme avance par rapport aux autres. Comment on a avancé puisque le mardi et le vendredi, toujours il y a une minute de la dimanche. C'est comme si nous négligeons l'équipe de la semaine et nous donnons plus privilège au culte de dimanche. Alors que Elsa et le Gonzan va bien bisauté. Zaba Bengé Bissot, tout pousse à la gâte sur les bossons. Moi, j'étais grandement béni le mardi. Tant que papa n'a pas dit Georges, André Goloba, l'amour c'est avoir quelqu'un qui mourir. Wow. Alléluia. Alléluia. Papa, on est moins fallait qu'on ait un mariage. Je crois qu'on est dimanche. Et le vendredi, c'est aussi grandement béni. Tant papa n'a pas dit Georges, c'est lui ça le but. L'amour et la haine. N'a pas dit sur l'amour, n'a la haine, ni 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 ni. Et on était grandement béni. Et puis, professeur, n'a pas dit Georges, c'est lui. Il faut mourir dans le lien avec lui, il n'a pas de quoi il n'a pas de vivre dans la bande. Et il a partagé, il a développé cette thèse. Amen. Donc ce sont aussi des jours très importants pour le Bongi 54 qui est ici. Venez le mardi à partir de 16h à 18h. Juste, d'ailleurs, toujours si nous savons. Toujours si nous savons pour permettre de nous soumettre aux autres dans le Sika. Donc à partir de 16h juste, nous commençons. Et 18h juste au plus tard, nous terminons chaque mercredi et chaque vendredi. Les jeudis à partir de 16h juste à 18h, nous avons la réunion Bajen. Ça a déjà commencé depuis la 7 semaine et nous terminons. Et Bajen, nous sommes en train de se faire un peu de temps. Bajen, nous sommes en train de se faire un peu de temps. Bajen, nous sommes en train de remporter par tout vent de doctrine. Alors, ce que vous avez gêné au vent de la parole de Dieu, tu seras vraiment affermi, tu verras un bon papa, que vous avez un couple, il y a mal, puisque vous avez déjà encadré, et vous avez facilité aussi à encadrer le couple. D'ailleurs. Et le dimanche, nous serons ici, en commençant par les codimes à partir de 7h30, puis nous, 8h30, on va habiter les codimes, envoyons les enfants aussi à l'église, pour qu'ils puissent apprendre le niveau dans Bango. Et à partir de 8h45, il est 11h30, nous avons notre quête de gloire. Nous avons des programmes spéciaux le dimanche 28 décembre, donc le dimanche 28 février, et nous allons à la célébration Gypte. Célébration Gypte, et nous très à la carte chaque dernier dimanche, il y a mois. Et dimanche, il y a souk à mois de février, nous allons le 28, donc beaucoup d'anawa. N'a pas monté, mais tu recoutes dans la pourquoi. Aller déjà former, pour mon invité, et communiquer déjà, parce qu'on a constaté que Mingi doit être dans la tombe, et pourquoi tu y été. Donc, dernier dimanche à moi, comme il tombe le 28, tu recoutes dans la partie à 15h30 de débuter le Kim Nabiso, il y a célébration, et 18h30, nous terminons. Dimanche le 14 février, et ça, le deuxième dimanche du mois, ils ont la réunion des couples. Ça a aussi tombé. Comme on dit, les jours de Saint-Valentin. Et puis, les autres papas, on va tout là dans la bouche. Moi, c'est
c'est important pour rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Là, ils ont vu à mon demande, mais nous avons communiqué vision à bord. Mais il nous a la journée à 7h21, ça tombe bien. Ça tombe bien. Moi, je peux faire aussi que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, ceux qui ne peuvent pas donner, ils passent à la journée pour ne pas aller ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc, le 14 février, ça sera dimanche. Après l'équipe, nous tombons d'abord on va partir à 16h30, puis nous 18h30. Donc, au coup d'Anahawa pour une réunion de couple. Les pasteurs reçoivent chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 15h10 jusqu'à 16h10. Vraiment, oh, tu as quelque chose à dire, quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose que Dieu a donc révélé. Oh, et il y a quelque chose là, mon bon ensemble, et tu auras des solutions par rapport à ça. Et à cause de la vie sur grâce. Et c'est comme ça que. C'est comme ça que nous sommes presque à la fin de nos communiqués. Mais, thème de la mission, il y a réunion avec un couple, les secrets d'un couple épanoui. On va parler de sur les trois C, vous avez la compréhension, compatibilité et puis complémentarité. Que Dieu nous bénisse. Nous appelons notre papa et on acclame le Seigneur pour que nous aide notre papa. Amen. Gloire soit à Dieu. Avant de clôturer, je vais donner 2-3 minutes à Maman Tounet, je vais témoigner pour mon Yannababéki. Donc tu veux rester là, on t'apporte le micro. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Fille aux Zanakina. Mouton va menacer à qui je veux l'être à qui. Après,
quand la fougole est sale, là, on va la 2000 francs, la PC 1000 francs. Puis c'est où? Et tout le monde qui est là. Alors, tant que mon tas, voilà, qui est, alors qu'il est quand même à l'icône au zoo, qui est effectivement, je me gardais, je t'ai blessé. Alors, puis c'est mon bon point. J'étais venu ici pour toi. Tout là où il est, puis ça va être t'as la peau, t'as l'eau, t'as la mauvaise. Alors, quand je regardais, j'ai vu cet homme, première palais, deuxième palais, tombe la mort, azaté, à l'imoui. Alors, je regardais, écoutez, ma poussée. Alors, la télé, mis sa moto, c'est le même gars qui a moto. J'ai dit, mais, elle en ligne, il n'y a pas le petit bout. Il a dit, c'était fini. Alors, j'étais venu, trois dimanches, je vais l'expliquer parce qu'il est tout. Les bandes qu'on a mis, la vente, ma pote est à l'autre, la zone est des moussards, ma poule au pesta va y manger. Tu dois venir. Et puis, nous, je vais venir. Alors, la zone est en moussard. On attend les gars qui vont voir ça, la zone est sur l'hôpital. On dit, non, on peut pas aller, on a poté la vie, la boucle. La boucle. Babi, mais comment tu marches? Merci, Babo. Je marchais, Babi, non, madame. Tu ne peux pas marcher. Mon cou à quoi est-ce que c'est des boucles? Son ami est boucali et boucali. Alors, on a fait ça, sa radio, Batien Gassi. Bande de Babo. Première, c'est ma Batien Gassi. Son moment, il est au Kata. Déchets, non, c'est ça. Quand on Batien Gassi, on est dans la dame. La zone au Kata. Bande, Batienga, oh, c'était normal, premier jour, deuxième jour. Et mon invité, hier, ça ne va pas. J'avais toujours de douleur. J'avais vraiment une douleur intense. La coquité, la vie pasteur, la zone coquatée, l'icône, talatala. Alors, depuis que je dis au pasteur, on a prié pour moi. Je vous dis, bébé pour ça. Bébé vraiment pour ça. Et à mon dé, pour le balanza, merci. La deux minutes, caca, pasteur, je vais chanter pour toi. La zaouye de ma casse. Tambola kana mufilo yebaka. Olo alingio. Tambola kana mufilo yebaka. Olo azumona yo. Yonde kona libota na masia. Olo alingio. Misu nanzambe. Si. Seigneur, nous recevons cette action de grâce pour ta victoire à dormir à ta fille. Je t'ai toujours dit, j'attends vivre sa gloire. J'attends voir de mes yeux les couronnements de tous ces combats qu'elle a traversés dans sa vie. Une victoire de plus, nous laisserons passer vos offrandes. Que les anges soient témoins. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Seigneur, tu bénis ton peuple de tes recommandements afin que cette gloire normale soit avec nous. Nous recommandons notre descente dans ces orphelins en prêtant.
bénis ton peuple qui a appelé d'avancer. Christ, souviens-toi de chaque famille, de chaque personne, de chaque travail, de chaque enfant. Que ta victoire nous accompagne au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen.